Merci. Je disais merci beaucoup pour le truc que vous êtes en train de faire. Vous le faites pour la Guinée, pas pour l'unité des filles. Merci à ce côté. Je disais en fait que la Guinée, tant qu'on n'arrête pas l'affaire des filles, là, franchement, ça va nous mettre en retard de plus. Vous avez dit, derrière 62 ans, on est tout le temps en retard. Même la Sierra Leone qui a fait pendant 10 ans des crises de guerre, quand tu vas en Sierra Leone, franchement, tu vois comment le pays avance, il n'est même pas comparable avec la Guinée. Le monsieur qui vient de finir là, malgré ce qu'il dit ici dans les pays occidentaux, on a tous vu Macron, quand il a dit ici les vaccins sont obligatoires, malgré, peut-être pour lui, c'est bon pour la santé des Français, mais vous avez vu comment les gens se manifestent, comme quoi c'est pas compatible avec la Constitution française. Comment ça se fait qu'à quelqu'un qui ne respecte pas la loi de son pays, Ah, il faut que les autres est-ce qu'un respectent. être humain Monte peut là-bas. supporter? Voilà. Ah, Vous monte voyez, quand là-bas. on voit quelqu'un qui vit dans le pays occidental, il supporte quelqu'un qui ne respecte pas le droit de l'homme. Quand il est pris par les hommes pareils, là, c'est qu'ils ont tout le temps victimisé, cherchent à se victimiser ici en Europe. Ah, les Blancs sont racistes, mais il n'arrive même pas à réfléchir ce qu'il est en train de dire. Mais bon, c'est son point de vue, c'est la démocratie, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Oui. Si Selou est parti, malgré c'est illégal, Alpha Condé, il est représenté illégalement, c'était juste des mandats. Il a forcé l'autre jour, il est parti. En tout Mais cas. si les deux gagnent, il faut soutenir celui qui a gagné, c'est tout. Mais malgré, comme la Guinée, dès que tu as un nom, tu as un problème, c'est un Oui. délit Oui. pour la Guinée. Oui. Bah, si la Guinée va avancer, c'est tous les Guinéens, mais surtout les Sénégalais, hein. C'est pas parce qu'ils sont Sénégalais. Mais franchement, quand on regarde franchement notre pays, ben, on voit qu'ils aiment la Guinée plus que les autres. Parce que les Alors, autres, eux, ils volent pour Allah. envoyer dans le pays occidental, Oui. mais les autres travaillent pour envoyer en Oui. Guinée, à tous les deux, là, qui est le vrai patriote. Mon Je sais frère, pas, laissez les gens gouverner à partir du moment qu'ils il y a gouvernent. l'affaire du pull là. Il faut qu'on règle l'affaire là. Non, 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 non. Il faut régler cette histoire du pull là, cette fois-ci là. C'est l'occasion. Oui. C'est abusé, quoi. Faut pas prendre les gens pour des cons, quoi. Allô? Oui, je vous écoute. Non, j'ai dit cette histoire de pull là. C'est l'occasion de régler ça. Et normalement, c'est les autres ethnies qui doivent le faire. Mais comme c'est des lâches, c'est des hypocrites. Ils peuvent pas le faire parce que eux-mêmes sont en train de se positionner. Ils n'ont pas de cœur pour affronter encore aux élections. Non. Mais encore, on regarde, Oui, voilà, mais ils je suis veulent se désolé, désolé, positionner hein, maintenant. désolé, moi, d'un côté, voilà. Mais quand on regarde les personnes qui ont mis la Guinée en retard, c'est des personnes qui ont tellement gouverné, 10 ans et 27 ans. Imaginez-vous si les gens l'ont bien travaillé. Mais même le peu que l'ancien président a fait, bah, celui qui est au dernier, là, il a tout détruit. Il n'arrive même pas à faire des boulots. Il dit, voilà, chacun fait ce qu'il veut, quoi, dans le pays. Et la Guinée, s'il n'avance pas, c'est une perte pour nous tous, même malgré on vit ici, mais on souffre. Malgré on vit bien, certains parmi Oui, nous vivent bien par rapport aux autres, mais quand même. comme on souffre à cause d'eux, la solution peut venir de nous. Parce que ce n'est pas normal que ce que les Guinéens mangent vienne de l'extérieur de la Guinée. Ce n'est pas normal. Même si c'est l'État guinéen qui paye 200 euros tout Guinéen, c'est possible. Si toute la Oui, bostite là je était sais, bien mais gérée, ça c'est sera possible de le difficile faire. pour Mais les gens adapter là tout sont au nouveau. méchants, ils sont mauvais. Oui. Toute notre vie à vous nourrir là-bas. Non. Nous, vous devez même nous Je envoyer de salue. l'argent maintenant. Il y a l'argent. Tu vois les Il y en a, 4x4 bien en sûr, Guinée? mais si on le Tu vois les partage mal, 4x4 en Guinée? juste Tu pour un hallucines. clan qui profite, les autres tapis. Oui. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ils préfèrent prendre l'argent dans notre pays, aller investir ailleurs et Cette laisser le pays victoire, en là, nous allons paix. la Maintenant, réclamer celui qui ne sait hors de la pas Guinée, pour Inch'Allah. partager, ben on le combat. C'est ça le problème. C'est la C'est ça. Mais diaspora quand qui on dit nourrit ce que c'est pays-là. nous, les Nous, on ne va Occidentaux, pas qui passer apprend de la toute Guinée, ça notre sera vie. difficile parce que Et même nous, on est les gens dépouillés. n'ont même pas, les gens n'ont même pas de projet ou d'avenir. Tout le monde veut partir. Personne n'a de l'avenir pour se dire qu'on attend. Pourquoi? Quelqu'un est un diaspora. Et le rôle de la diaspora, je reviens dessus. Ce monsieur-là est en train de nous salir. Quiconque va vivre ici 20 ans, 30 ans, tu veux rentrer faire de la politique en Guinée, t'es mal barré. Tu es mal barré. C'est fini. Ils ne vont plus jamais faire confiance à une diaspora. Donc, on a intérêt ici à se lever. Oui. Envoyer l'argent tout le temps là. Leur âme est connectée à nous. Voilà. Mon frère, je vais te laisser. Je vais appeler quelqu'un d'autre.
Merci beaucoup, Vous madame. savez, les Merci à RPG, vous. là, eux, ils pensent Merci qu'ils d'avoir sont, le portrait de eux, plus ils pensent d'avoir qu'ils sont été. plus intelligents que tout le monde. N'importe quoi. Quelqu'un qui soutient Alpha. Ça, c'est quelqu'un, ça. J'appelle ceux qui n'ont pas. Les Allemands, là, je ne vous prends pas. Hein. Ceux qui ont appelé depuis longtemps, là, je vais les prendre. Allô? Beaucoup d'appels en absence. Allô? Salam Alaykoum salam, excusez-moi, vous avez appelé plusieurs fois, il y avait quelqu'un d'autre en ligne. Donc, alaykoum. C'est pas grave. vous êtes déjà en direct, hein? Vous êtes en direct là. D'accord, merci. Mamadou Aliou. J'aimerais dire deux mots Oui, allez-y. à les parents guinéens. Je suis un enfant jeune guinéen. Un, c'est que dans tout mon parcours de l'expérience, que nous, les Guinéens qui sont en Guinée et ceux qui sont à l'extérieur, on n'est pas habitué à travailler avec ce qu'on dit la loi. Donc, Oui. ces lois, on préfère toujours faire des négociations entre nous qu'appliquer la loi entre nous. Et lorsque vous appliquez toujours une négociation, vous laissez la loi, c'est ce qui gangrène ce qui arrive chez nous en Guinée. C'est partout en Afrique de l'Ouest, mais chez nous, c'est un peu pire. Parce que chaque fois qu'on dit non, accord politique, on laisse la loi. Oui. Or que normalement, on devrait faire d'abord appliquer la loi. Après, maintenant, si vous avez raison sur moi, maintenant, vous pouvez dire donc, on va à l'affaire civile, je te pardonne. Déjà, vous êtes satisfait que la loi vous donne raison. Moi aussi, je fais des torts. Mais c'est nous, en Guinée, toujours, on dit non. Tout notre problème, c'est quoi? Même dans les associations, même entre nous, quand il y a des problèmes, non, non, non. On vient pas chercher qui a raison. On vient dire non. Toi, tu as toi. On ne cherche Oui. pas qui a raison. C'est ça notre problème en Guinée. Et en tant que nous, Guinéens, on ne veut pas appliquer la loi, on va être toujours discuter entre Malinké, Soussou. Or que tous les problèmes que nous avons, ça affecte tout le monde. Ça affecte pas Peul, ça affecte pas Soussou, ni Malinké, ni les autres ethnies. Ça affecte tout le pays. Donc, c'est ça notre problème. Nous devrons appliquer la loi, chercher la vérité. Après, maintenant, on va trouver des solutions amiables pour que tout le monde soit content. Mais premièrement, il faut qu'on cherche, la vérité. Là, on Nous n'aime pas devons la chercher la vérité. vérité. Regardez l'Espagne, la Guinée a son indépendance à 72 ans. L'Espagne, on peut dire, ça vaut 40 ans, ça vaut même pas 50 ans, depuis que Franco est mort. Mais allez en Espagne. Donc, c'est des choses comme ça qu'on devrait regarder l'histoire aussi des pays, et même des pays occidentaux. On pourrait apprendre beaucoup. Hein? Mais c'est ça notre problème. C'était juste ça. Merci, madame. D'accord, merci mon frère. Lui, il dit qu'on doit regarder les pays occidentaux. Mais c'est ce qu'on a fait. On a pris quelqu'un qui a passé 50 ans ou combien d'années ici. Mais c'est ce qu'on a fait. C'est le risque que les Guinéens ont pris. Ils se disent, c'est quelqu'un qui a. Moi-même, c'est ce que j'avais pensé. Voilà. Donc, si les autres sont assis ici et puis ils se disent qu'en politique, ils vont rentrer demain, vous allez trouver les Guinéens là-bas. Marina a guéri, soit raïfé, soit. Hé! Toi, tu as déjà parlé. Laisse les autres qui ne vont pas parler. Il ne faut pas faire la dictature ici, pardon. Je rappelle quelqu'un d'autre, hein, vous qui avez appelé tout à l'heure, là. Allô? Hello, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va là-bas? Ouais, ça va très bien. On vous suit en direct ici. Awa, nous aussi, on est là, on vous écoute en direct. On parle pas très sauf pour vraiment vous encourager parce que vous êtes vraiment battante. Ah, vraiment, ce que vous dites, vraiment, c'est ça la vérité. Mais il y a certains qui ne vont pas voir la réalité vraiment. Même Ça si on les les arrange voit, pas. on n'ose pas les dire. Oui. C'est ça qui me fatigue jusqu'à aujourd'hui, mais pour la Guinée, vraiment, c'est mal barré. Non, il ne faut pas dire ça.
Ah, parce que quand on regarde vraiment tous les temps qu'on a dit, vraiment, qu'on a trouvé l'indépendance, presque, ça devient retard en même temps aussi. Oui, c'est vrai. Donc, mais vraiment, si c'est la réalité, toutes les ethnies qui vivent en Guinée doivent soutenir, comme on appelle, ce groupe, parce que c'est lui qui a gagné l'élection et puis, on doit voir lui aussi ce qu'il peut nous apporter. D'accord, oui, c'est vrai. Pas seulement suivre, comme on appelle, les voies qui n'aboutiront à rien. Donc, c'était juste comme on appelle, pour vous saluer et vous féliciter en fait pour votre travail. Merci, merci. C'est Merci. vraiment pour bon courage et merci beaucoup. Merci, merci, mon frère, c'est gentil. Ouais, À merci. bientôt, Inch'Allah. Merci. Voilà. Maintenant, même si celle-là n'a pas gagné, on va aller sur le terrain là aussi. Mais Alpha ment sans arrêt. Mais celle-là aussi a le droit de mentir. Oui. Oui, ça aussi, c'est la dictature. On monopolise le mensonge aussi. On va transformer son mensonge là aussi en vérité. C'est possible. Autant la Guinée qui est où on va me refaire quoi. Donc, celui que je voulais rappeler, c'est lequel, est-ce qu'il a rappelé, je ne sais pas. J'essaye. Je ne sais même plus, il y a tellement de numéros. Allô? Oui, comment ça va? Ça va? Vous avez appelé tout à l'heure. Oui? Oui, on est en direct. Oui. Hein? Oui. Allô? Allô, oui, je dis. Oui. Vous avez appelé tout à l'heure et puis on est en direct. J'ai vu l'appel en Ah, absence. oui. Ah. Oui, bon, moi aussi, je voulais parler un peu de ce que vous êtes en train de dire. Mais il y avait quelqu'un en ligne, Bon. quoi. Non, non, il y avait une bête nous Oui, rappeler aussi. problème mara, problème mara. Ça dit seulement pas na ma pri na pa la pe. Yo, Et na 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 pa pe, wali ko ko na ra. Mais bon, je sais pas, ça moi je suis tellement de dit ça Oui, que oui, je suis canal. normal. Ah, voilà. Il a refoulé Ouais. avant, puis voilà, non, oui. Voilà, d'accord. Donc quoi on me sait pas la pe. On connaît problème na ya. Mara big bira me me compare de la partie ou ramo bouri bimatu ramo bouri bimatu nana non dira ou waitan on nante bu natang c'est-à-dire à basa ki yo ya darira on nante big bira dormen mais c'est ma on nante mol anira mais il na konte temi ne kolori dori et vous si ça fait son nom et nan dou ne moi ma bori kasida piu. Mais quand nous avons dit que c'est oui, nous n'avons pas perdu, et à la postérité, nous avons gagné le jour. Maintenant, ce n'est pas que nous avons dit que nous avons gagné le jour, nous avons gagné le jour. Bon, groupe, on va compter par le groupe, vous le faites. Bon, maintenant, sans compter l'opposition, parce que l'opposition, c'est pas 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 que l'opposition. Ah, et puis Non, vous non, posez des goûts, parce là. que, voilà. Parce que, mais il n'a pas écrit dans sa mère, Yo. il n'a pas dit ça. Bon. Yo. Mais maintenant, notre problème, on a connu déjà, on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas de signes, il y a des grilles d'arrivée, nous avons d'autres aussi, nous avons la fille, on a dit qu'on 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 a dit don di yomé Yo. et la opposition pour moi il n'a pas moi tout et pas le monde pas mis les dans la wona les neka ou tan dans ta ko lu na bon fina na na bala bala mais la plupart arabes de dit ba dit dans fima Alors. mais na kan na problème ra na kan na problème ko sendera men geya won tan ba mi sou de ne ou ma je indépendance ou ma je démocratie ou ba wol tay nan tout Yo. ou mon nom ma pale dit ta ikula ka fang ikula ka fang an antenne ma Yo. voilà tena nom at gadi ma pri ma pri. Sinon, nous avons vu une des mêmes avec les télévisions, mais nous avons vu la journaliste. Ah, ça dit nous. Ah, quand tu es venu à la radio, tu es venu à la radio. Ah, je me parler de toi, à la radio, n'a pas de rien qui est petit. Allez, dans la radio. Bon, on va dans le niveau, on va faire la Guinée. Donc, il est
radio, c'est le mytho. Ok. D'accord. Mais, à l'état, il y a des manifestations, mais la ministre dit que je parti. Je suis 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 parti. Je Donc, sorry, je suis parti. 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 Je Voilà, voilà, je suis parti. Mais, je suis parti. 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 C'est le tout à présenter nous en maillard qui est nous. C'est le fan de Dieu Mané nous. Avant Dieu nous, avant le Sidi à Cambéra nous, 2015. Et quand on a tout nous. Mais les cigares ont dispersé. Bien que nous avons quand on a concaté, nous avons fait une barre de génie. Parce que nous avons fait une barre de génie. C'est le mieux n'a pas la seule le mot gagné. Élection singée. Premier tour, il y a eu le boulet, il y a eu le boulet, il y a eu le Mais politicien Togues, depuis un retard là-bas, hein, ça dit, elle va faire un arakatahan, un arapposition de Soto. Donc, un arakata, un arapolitique de la Soyama, mais il y a un arakidi, c'est l'unarapterdi, deuxième tour. Là, on a fait un falafala, c'est que, ah, c'est l'ugaïne, deuxième tour, on a fait un falafala, il va rouler, il va faire un ensemble, il va rouler ensemble. Premier tour! À gagner. Mais depuis, on a attendu, on a attendu, on a attendu, on a attendu. Ah, on m'a dit ça, non? On a même dit ça, on a dit ça. Déjà, on a attendu, on fait déjà, est-ce que c'est normal? Donc, on va sur inégalité, on a un légal. Parce que on a un beau, on a un bar occasion, on a un Donc, ça, c'est pas normal. Cela n'est pas normal. Mais il y a un attendu, il a dit, nous avons un bar. Mais à Tambara Tungo, ce n'est pas le gouvernement, comment dirais-je, en ce moment, c'était les deux candidats. Bon, Alvara, Mérémouna Mengaya, c'est le Mérémouna Mengaya. Mais maintenant, nous nous placerons à Fanyra, Mengaya, oui, n'est-ce pas que. Voilà, maintenant. L'élection Singé, nous l'a dit, la Guinée est en cuit. Eh, pour le fond, on a ce qu'on a mané. On a fait Mani, parce que ça fait 5 minutes, il y a un peu, mais c'est pas la vie. Ah ouais, oui, oui. On a fait Mani. Tambara sa afrinita ki kerena na kika. Afria ni, certes, c'est un an on a position fanny, mais au miracolo, Alpha, tout le temps qu'il a mis à se battre, Adamaya, on a mis l'humain, parce qu'il s'est battu trop longtemps, on va lui donner sa chance à Baramou. Premier point. Deuxième point, alors, il faut l'en ramma, na signoya fe, miri rana sendemou, ou je sais même pas quoi. A falar a tarif de cui, a fome que ganha na indire, pas que a neve pule babu de fa, me rei a falar a fule mono a pide me engera na kine, a wana na bama na, a wana bama na na mara, mo fure, wai mara, e me chama mo fide mara, wai mara, e tambe, me rei a falar ma, que eleição na ganha na indire ki, me rei nyama mala ne, es que a neve na bangde, basquete Amere na me ni. E bara men gaso fule ya. Amba ha fule ti men gera be woni ya maiki no woni ya maiki. Awo fona non kada. Nanon damma. Fona non kada. Iyo. Iyo. Awo okay. Na pa. Na pa. Be ko bi nan naki. Itu ka ti ge. Ka ti ko bi me ge nan na nera. Woni na ka ku iki. Woni na ka ku iki. Ntam ma gere musu na musira. Occasion de nan na gira. Na ka nyema. Fule fanga imenge aka ni parce que pile par don droit ka ni khala gine famille nan do sara ka famille wule da ni mara de ka famille na sara gine da le fin ki dikini alwa mana na ma ina alfa baro mo abar fute taraba abar nye ka bar nye ki wongi biya si swahira bila kulu fe na kante ki premier tour ta gine mo adunya mu la magaraba la gine mi re na lamper bo inara mi re na lamper bo ki fito ki inara c'est ce mo raba ma ki donc wona fe folo wo ma folo araba ki ma Asika ma tuka tuka nana kina mora ba mara ba kima. Yu fule pe nan lang kum tam be. Di nan lang kum be, alam be, alam be, alam be, han de mou na kan ba. Don kou fwa 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 yu fule pe kou ngon ka do kong kou ma. Aka fin di mou kote la. Na ka yu fala son a fule ta mora ma menge ya la. E ka moun ta nan giri somo. E ka dele moun na, e ka polu moun na, e ka pye, e ka pa kum ta na. Iyo. D'accord, madame Tissoukou. Parce que mon frère, on ne va jamais s'en sortir. On n'a guiné l'air bien. Oh, foule naïki. La Guinée m'a pas foule ma. On m'a foule t'y est bien. Foule dans la Guinée pour la canane. Depuis, à la Guinée, foule dans 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 la Guinée, fo
Parce que même n'importe quoi dans tout dire la Guinée. Mais quand vous nous dire la Guinée, la Guinée qui est ravalant, Alhamdoulilah, de Bédarbine. Amour à bain, le retirer. Fou les mérines, il en aurait ou à ma paix, pas une roma. Hé, quand il a fait un temps, maintenant, il y a un rythme, il y a un marasou. Il faut le faire dans la main, la réseau sociaux n'a pas. Il t'a menacé dans ma soeur comme il faut le faire. Ça veut dire que tu m'as dit pour le faire quoi, beau, mon frère. Et yo, il faut le faire. Il faut le faire. Iyo, je vais vous dire, Alpha Mengasto, Amasto, Alpha, c'est que Alpha, c'est que Mengaya, c'est Alpha. Mais les filles n'ont pas nommé Alpha, Baridi, Nandéri, Tambou, Manu. Bafé, Pontira. Faut bas, mon Madou, Alraya, Fama, Alraya, Fatira, je viens de lui, Nanou. Parce que Rané, Nanan, c'est tout à l'heure, Alibé, Alabé, Rafé, Mara, tellement pour le matin. Voilà. Ok. Mais maintenant, Alraya, c'est loi à campagne de l'année 99% en la SNN et PIP. Car ça lui n'est pas 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 Il faut le faire en bas, mon frère. On a le bébé. 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 Groupe groupe kering né naka siga né do na konté bokora groupe da kering naka siga alpha kering naka du telu bon maintenant wonan te yana na groupe mi gey dan tagi gey ta ko bu daki amukolo bore nu na mi se d'accord né na girefi alpha ta do ri ara kara ka be sino alpha bora kara ka be maîtriser le bendi alpha bora kara ka oui Alpha, mon frère,
donc nan de fo ni ndo fam ko na ngay ta fa la ka fulé tamu ti man ngay ara asen ni ah ti ma nta nu ne na fara sono parce que ra ka me na na si bore ra e fo e présenter mané iyo me ga ou ne awa tanga wa en kele ti fa na be parce que mon frère kilu kilu me ta de na ba ti fe kilu ngay fan to bu En tout cas, il va nous aller dans la barbe et avoir une affaire. Merci beaucoup. Allô? Allô, ma soeur? Oui. Allô? Allô, mon on a fait le bien en arabe. Oui, Marie, dis raccroche, s'il te plaît. Moi, raccroche. Raccroche le monsieur là. Moi, raccroche. Raccroche le, s'il te plaît. Allô? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Jaja mare merci soko. Ah? On jaram. On jaram, on jaram. Dans la tombe. Dans la tombe. J'ai appelé première fois ici. Oui, oui, c'est vrai. Mais on est où? Mais mon cancer, là, si je parle cancer ici, je pense que Macron, il va pleurer. Ah, il n'a qu'à pleurer un peu. Il faut parler le français. Macron va pleurer. Il faut parler. C'est que mon français, là, il est très cool. Ah ouais, il faut parler ça. On va comprendre. Est-ce que je vais parler ça en poulard aussi? Ah ouais, il faut parler en poulard. On a parlé tout sauf Koula, il faut parler en Koula. Ok, ok. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je salue tout le monde, je te regarde presque chaque jour quand j'ai le temps. Mais pour appeler, c'est la fin des fois, j'ai eu le courage pour t'appeler parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Oui. Mais Harai, comme il parle à la voix de l'intervention, problème même aujourd'hui d'un Guinéon. Ko problem jano mo fanta. Là je vais parler sans français parce que moi il faut parler poulard, mon frère, il faut parler poulard, c'est très beau. Il faut parler poulard, c'est joli, il faut parler poulard, pardon. Ok. Mi fala hala de yimbe de mingo mi meda ya de l'école, mi meda jangu de l'école ko alburana mi jangi. Et puis, politique, quand il politique, il y a une mère à nous faire si vous dépassez intéressant, là, vous avez dit intéressant, il faut que nous avons dit au Finlande de politique, on a eu des guinées. Depuis 2010, quand il y a eu l'élection, 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 il y a eu mari, copain, je m'en ai dit, il y a eu mon guinée, qu'on a écrit, il y a eu mon campagne de photo. Mais il y a eu le téléphone, il y a eu l'élection, il y a eu l'élection, il y a eu en tant que celle de John, il y a eu l'élection, il y a eu l'élection. Après au Artido, elle est en train de faire qui, on do have get le président au Bétonie Alpha Corp. 2015 quand Harry Wally Renon. 2010 do, by elle est en train de dire, what is me interest in politics, you know, parce que mes armes sont les jours, ils vont à politique, ils vont à voter de pour ethnie, pour contrôle, ethnie, ils vont à voter, ils vont à politique. Parce que Harry Wally pour politique, ils vont à voter de normalement population, qu'on ne doit pas voter, ils vont à prendre water. Kono joni wana politique wana wadede ka meden ko etni wana wadede ko gila onto mi interest e politique gina parce que mi dali mi tay ko contre wote wana biyo wote jodo joni non problème meden ko hondu wadi ha joni gina avancant mi hakke lan mi fama non politique ha don kono mi do wi
armée guinée en Ottawa en tant que numéro 1 parce que de on a républicain parce que normalement armée d'un ko wadira ko fi ko défendre la population si hawri goddo immi ke wargol population normalement armée d'un imma darabe inna ko tenande goddo warata do population kambe ko be woni do ko fi population o wana fi lami do donc 1 deuxièmement on opposant de wombe guiné ben foko be woné wolde kon ko senade be makki wadi simi wi dum joni exemple baawuri no do tidia touré no do be ko be ne ko be opposant joni sellu yadi alpha konde ka electionji 2020 jama on fo yi sellu holliri o gagné ke electionji din adam fop andi o gagné mais ko fi hondum opposant be de wono baawuri en tidia be fo opposant be ben foko fi hondum be arata be wonti da e sel be na vraiment sel lu gani ke yo het victoire mako kon donc ko dun do woni problème meden on guiné yirti dun don kadi mi fami mi yida wol ko affaire etni bayna ci fen ni etni mi yida wol ko ci affaire parce que mi pour a woni porto je woni pour lo woni manin kaaji woni so je foko Allah la don tagi en foko ga baba kaga nene hawa e baba atama hiwde kon nene goto baba goto mais mi do feli kadi mawbe manin kaabe be parce que ben don kambe tigi hore mabbe ci be tawa ko tawi ado e guiné no wadde leddi leddi parce que be immino be dari be inni hey ko alpha konde woné wadde ko c'est pas normal billahi haré no hettino hore mabbe oui mais kono be jabaade ci be jodi be reeni gonga be jabaani wolude gonga on kon donc leydi meden din dun do ganno tawa ko woné wadde arrière ko du wadi no bondode leydi meden din mi halam te do exemple min mi meda haade l'école kono min affaire jokere en dano welam men créé association ko andeta no wodi yimbe be andanda hore mabbe be yidi tun affaire politique politique mabbe on kadi haras na ko rewi law men organi association men de wonduno e manin kaabe be arifi yo be laamu association on by alpha konde laami ke 2010 de fo be yebe déclaré to be indi ko kambe laami jine yebe wolbe suisse pour yo debu ton poste de fop e ko tidon do yide gene ton be golla to jonno wonbe plus de 40 ans en Suisse wonbe plus de 50 ans do be immo be yaha be tawa ngulabo alpha konde do be jodo be mabbe hara be reni ko bidde gene be wona e warede be wakki do jodade don be nyami de makko dim bodi yinte bidde gene be kon don an bi tawa avance de kon don ko min hare ko mi vraiment bayna do tele bi do welfenima ko ande bo goto mo mi yido mo andanta hore ma da gine en de wondo imma de wola gonga wola ne jama on gonga parce que andi ka mede ngene gine debbo teddina ka haton kono anga hebi kuraji imma gol hala na jama on fo bere man ko hobbu wodi gonga on hare mi do tori gine yente kala yidu do leji gine ni woni manin kaaji woni sosojo woni forestier jo woni pullo fo yo immo jogodira wona nene goto baba goto habita e o gouvernement do haade immo parce que na gouvernement ko kulle dal haade immo e hore meden hetton hore meden are ko dum mi nodduno do are intervention ko teda sa mi dan dara yibbe buy kan no noddude are mi acca wobbe go kanga nodda heba ko wola vraiment are mi de weltanima meden jarnuma haray en continue do insha Allah mo kala meden ko wali ko julugol tora Allah ko yewtugol jamaa o en continue do ha sel do dalen hetta victoire makko insha Allah rabbi haray mi do yertani ma fotta ko wana seeda haray yo Allah lan do jundu balde maada de do Allah dande masi bo sagu gaje e masi bo wonto mi tori ke Allah o lan do vraiment merci beaucoup awa merci merci ha jaraama ma tan jaraama nan haray yo Allah o ko walde jaw amina jaraama. Ok, merci beaucoup. Bonsoir, bye. Bon, le couleur, je vous dis, c'est très, très beau, c'est magnifique, c'est doux, c'est beau à entendre, mais je comprends comme ça, comme ça, comme ça, quoi. Donc, je ne vais pas hasarder sur ce terrain avec les « oh, on en dit pas et dit pas ». Je n'ai pas trop, trop compris, mais j'ai une idée de ce qu'il a dit. C'est très, très beau. C'est magnifique, le poulard est magnifique, vraiment. Je ne sais pas pourquoi les gens barrent cette ethnie-là, parce que c'est la force aussi. Je pense que c'est la force du peuple qui fait peur. Et moi, j'aime les forts. Moi, j'aime affronter les forts. Voilà, ceux qui n'aiment pas les peuples au fond de vous, là, qui ne veulent pas le peuple au pouvoir, vous êtes des faibles. C'est moi qui vous dis, vous êtes faibles, vous avez peur qu'ils me fassent mieux que vous.
Allô? Allô? Oui. Oui, madame Sissoko, il y a des 30 secondes. Nadek. Il y a des. Moi, je ne suis pas Hadja, hein. Je ne suis pas faux Hadja. Je n'ai jamais été à la Mecque, je ne suis pas Hadja. C'est comme ça qu'une femme doit s'habiller normalement, au lieu que vos sœurs là mettent les produits éclaircissants. Hadja Nantou Chérif, elle a été à la Mecque, non? La moche là qui a une tête d'ananas là. Hadja Nantou Chérif n'a pas été à la Mecque. Qu'est-ce qu'elle fait en politique? Qu'est-ce qu'elle fait à donner des diplômes de mauvaise éducation aux gens sur Internet? Monsieur Silla, c'est à toi que je parle. Hein? Yana Kaba n'a pas été à la Mecque. Alpha Condé n'a pas été à la Mecque. Qu'est-ce qu'il fait à mentir tous les jours? Qu'est-ce que toi tu fais à mentir là? Tu n'as pas honte de venir me dire fausse Hadja? Je suis fausse Hadja parce que je n'ai jamais été à la Mecque. Ça, tu as raison. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est moi, la femme que Dieu aime. Je l'aime et il m'aime. Vous, Dieu vous aime, mais vous ne l'aimez pas. Vous ne voulez pas de peur au pouvoir. C'est là que votre malheur est venu. Cette affaire de peur là. Si vous attendez de pousser ces loups pour amener une autre ethnie, votre arme, il n'y a pas de balle dedans. Ce n'est pas que vous avez tiré à terre. Il n'y a pas de balle dans l'arme là. Parce que si vous avez ce qu'un homme doit avoir dans son pantalon, vous auriez dû vous présenter. Chaque ethnie aurait eu son représentant. Vous auriez dû faire ça. Mais non, vous voulez pousser le peuple. Parce que nous sommes potés à la barbe. Nous sommes tous les pays dans le monde, nous sommes tous les pays. La Guinée est toute foncée, nous sommes ethnies. Toutes les ethnies ont gouverné. Gouvernance, bidon. Vous n'avez même pas été capable. Autosuffisance alimentaire. Soussou, Malinké, David, c'était vite fait. Vous n'avez même pas, les deux ethnies là, Soussou et Malinké, vous n'avez même pas été capable de nourrir ce peuple-là. Vous n'avez même pas été fichu de le faire. Et vous voulez bloquer le peuple. Cette fois-ci-là, je ne sais pas comment ça va finir. Mais ça finira comme ça doit finir. Parce qu'on en a marre. Moi, personnellement, j'en ai marre. Laissez les gens là tranquilles. C'est une chance pour la Guinée qui est de peu. Sans peu, la Guinée, c'est la brousse et les serpents. Il n'y a rien. C'est eux qui vont à l'école. C'est eux qui connaissent l'islam. C'est eux qui sont propres. Mais comme ils ont délaissé l'islam, c'est pourquoi un mécréant comme Alpha vient tuer les peuples devant vous tous. Toi, c'est là qui parle. Qu'est-ce que tu as fait pour arrêter ça? C'est vous qui dormez avec les serpents dans vos pantalons. Oui, c'est ça qui fatigue ce pays-là. Pas des gars, vas-y. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. Bonsoir, bonsoir à toi aussi. Hein. Bienvenue. Bonsoir à tout le monde. Ok. Bon. En tout cas, on ne va pas se limiter tout le jour et on va continuer à parler. Oui. Donc, voilà, le problème de la Guinée, c'est la désinformation. Parce que. Il y a des personnes qui se nourrissent de mensonges, de la diffamation, de tout quoi. Oui. En tout cas, jusqu'ici, depuis l'indépendance, jusqu'ici, on peut rien reprocher au peuple. En ce moment, je parle avec un cœur allergique.
Parce que parler souvent de peur, de vanité, pour moi, parfois, ça n'a pas de sens. Mais, donc, l'actualité oblige. Oui. L'actualité oblige. Parce que, bon, si, selon la gouvernance ou bien la présidence de la République, là, de ce côté-là, on pourrait reprocher, aucun passé, aucun peu de naïveté, un président. Oui, aucun. 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 On se demande ce qu'ils ont fait. Les incapables. Voilà, si on parle de maintenant de le retard du pays, comme ça, le problème de la Guinée, c'est quoi? Il y a un système en place. Depuis que Touré jusqu'à Alpha Condé, il y a un système. Mm-hmm. Le système-là, tous les ethnies se retrouvent dedans. Mm-hmm. Voilà. Donc, mais le problème fondamental aujourd'hui, c'est quoi? Mm-hmm. Ce que nous devons faire, nous devons nous unir au combat et bannir ce système qui met la Guinée en retard. Fadiga, je ne peux pas demander aux gens de s'unir. Du moment où, en ce moment aujourd'hui, si on était unis, on n'en serait pas là. Voilà. On n'en serait pas là. Voilà. À part cela, du moment où ces ethnies-là ont peur du peuple, parce que mon frère, c'est ça la vérité. Quand un peuple le dit, ça passe mal. Moi, je vais vous dire un exemple. Vous savez, la chose que je détestais le plus au monde, c'est l'occasion pour le dire. C'était Facebook. Moi, c'est mon mari qui m'a inscrit sur Facebook dans mon dos. Quand je prends une photo avec quelqu'un, ma première condition, c'est quoi? Ne me mets pas sur Facebook. Toutes les personnes qui ont essayé de mettre notre photo sur Facebook, c'était une bagarre après. Mais aujourd'hui, je suis sur Facebook là, assise. Réfléchissez à ce que je vous dis. Hein. Aujourd'hui, je suis fait. Vous savez combien de personnes ont mis le voile par rapport à ces vidéos? Jeunes, les lundis et les jeudis, par rapport à ces vidéos? Tandis que je ne voulais pas venir sur Facebook. Vous comprenez? Et si c'était ça l'affaire du peuple? Et si c'est le peuple qui doit vous faire une ouverture? Hein? Et si c'était le peuple qui devait nous faire une ouverture? Mais pourquoi vous avez peur des gens là? Et pourquoi? Vous n'avez pas des hommes dans les autres ethnies. Il faut dire que vous êtes meilleurs là. C'est-à-dire, moi je connais ce système. Quelqu'un est mieux que toi. Non. Tu fais genre que tu es mieux que lui. Le complexe d'infériorité. C'est ça. Je le sais. Je connais toutes les ethnies là. Non, pourquoi tu parles de ça? Voilà. Vous avez gouverné, on vous a vu, c'était zéro. Même la saleté, Soussou et Malienke, vous n'avez pas vu terrasser. Même la saleté, vous n'avez pas pu rendre la capitale propre. La Conakry ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. Mais laissez le peuple nous amener la propriété. Eux, ils aiment le chic. Eux, ils aiment les bonnes choses. Ils aiment les choses chères. C'est ça, oui. Il faut que votre pays là prenne une couche de chic. Il faut qu'on soit chic. On n'est pas chic. Le Guinéen n'est pas chic. C'est ça le problème. C'est ça que vous n'avez pas envie d'entendre. Il faut que quelqu'un le dise. Il faut qu'on vous le dise. Dès qu'il y a un problème, peu. Dès qu'il y a un problème, même les filles. Ah, les filles, peu, ne sont pas sérieuses. Ah, si on parle des autres ethnies, les autres ethnies, ce qui se passe dans leur famille, je pense que Facebook va fermer. Ou bien. Mais il y a des femmes qu'on prend dans des hôtels avec d'autres hommes. Elles sont mariées, ce n'est pas de peu, hein. C'est pas de peu. Il y a eu beaucoup de sextapes sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas que de peu, hein. Ce n'était pas que des peuples, mais laissez les gens là tranquilles. Si vous ne les aidez pas, laissez-les. Mais ceux qui sont là à former le plan, vous me faites rire. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui plus proche du pouvoir que Dali. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Maintenant, j'ai l'occasion de vous dire aujourd'hui, vous pensez que Allah, si vous croyez en lui, qu'il peut faire vivre tout ça là à Saint-Loup, sans qu'il nous gouverne la Guinée même une année, sincèrement, notre haine a grandi cette communauté. Notre haine politique a grandi chez nous. On va continuer dans ça. On va continuer à grandir les gens gratuitement comme ça, à cause de la haine. Mais c'est ça, c'est ça la vérité. Tu regardes les commentaires, mais tu hallucines. Vous avez quelle force, les autres ethnies là, vous avez quelle force pour bloquer le peuple. C'est parce qu'ils veulent la paix, c'est ça la vérité. Moi, je vous le dis. C'est nous, c'est quelqu'un qui veut la paix. S'il ne voulait pas la paix, mais la Guinée avait déjà déménagé. Oui, ce qu'on lui fait là, aucun Guinéen ne peut l'accepter.
C'est comme ça dans les autres pays que ça commence. C'est vous qui voulez la guerre. C'est Alpha qui veut la guerre. C'est lui. C'est pas quelqu'un d'autre. Et ceux qui sont là à le soutenir. Dis donc, 10 ans, ce que tu n'as pas pu faire, c'est maintenant que tu vas le faire. Quelquefois, il ne se rappelle même pas de son nom. Quelquefois, il ne se rappelle même pas comment il s'appelle. Quand tu parles, oh, c'est lui qui a travaillé avec Conti, c'est Monti, c'est lui. Kazoy n'a pas travaillé avec Conti. Kiridi Bangon n'a pas travaillé avec lui. Bali n'a pas travaillé avec lui. Malik Sanko n'a pas travaillé avec lui. Parce qu'eux, ils sont sous-sous. Donc, eux, ils sont mieux, quoi. C'est l'ethnie super, ou bien quoi. Tous les Guinéens sont égaux en Guinée. Tous. Moi, je pars du principe que si un Chinois est venu en Guinée, un Japonais, un Australien, n'importe quelle personne, vous lui avez donné la possibilité de se présenter à une élection, c'est fini. La question ne se pose pas s'il est Guinéen ou pas. Vous lui avez donné la possibilité de se présenter. C'est tout. Du moment où il a la possibilité d'avoir accès à une élection, on ne parle plus d'affaires de Guinée. Mais pourquoi vous l'avez laissé se présenter? Pourquoi? Voilà, c'est ça la vérité. Ce n'est pas autre chose. C'est cette affaire de feu là, mon frère. Ce n'est pas autre chose. C'est ça. Tu avais partagé une vidéo là où Fassine Touré a dit. Ça, c'est catastrophique de dire cela. C'est catastrophique qu'un notable s'asseye dire que les peuples ont le commerce. Ils ont ci, ils ont ça. Ils n'ont qu'à laisser la politique aux autres. Mais ça, c'est un dégât. Mirimouna Falama, on ne peut pas dire ça en public. Et les gens entendent ça. Les gens écoutent cela. Mais les peuples se sont battus pour leur commerce. On vous a dit de ne pas vous battre. Ils se sont battus pour les études. On vous a dit de ne pas vous battre. C'est eux qui ont leur fille qui se marie à toutes les ethnies. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Même s'ils ont un sale comportement, nous, on a exagéré aujourd'hui. Finalement, on a exagéré. Moi, ça a attiré mon attention parce que moi, avant, je m'en foutais. Je ne voyais pas les choses de cette façon. Mais aujourd'hui, ça fait que dans les commentaires, dans les appels que tu reçois, dans les menaces, c'est tout sur cette histoire de Peul. Quand le Peul va prendre le pouvoir, il ne va jamais laisser le pouvoir. Quelle est l'ethnie qui est venue au pouvoir qui a voulu laisser le pouvoir? Quelle est cette ethnie-là? Dadis, on sait comment il est parti. On sait comment ça s'est passé. Tous ceux qui sont venus veulent mourir au pouvoir. Alpha l'a dit que quand tu es mort au pouvoir, c'est que tu es mort au pouvoir. Pourquoi pas lui? Tout le monde veut mourir au pouvoir. C'est cette histoire de Peul qu'il faut régler une fois pour toutes. C'est un langue entendu. Qu'est-ce que celle-là vous a fait? Celle-là n'est pas présidentielle. Et il y a un physique type pour être président. Il y a un physique type pour ça aussi. C'est élection miss. Mais je ne savais pas. Donc, Fadiga, je suis désolée de te couper. Hein. Et puis, je vais commencer bientôt à bloquer les signards qui viennent d'écrire ici. Je vous ai dit, j'ai déjà fini toutes mes captures d'écran ethnique. Maintenant, je commence à vous bloquer. Celui qui est homme ou femme, il faut faire tes vidéos. Tu prends ton téléphone, ce n'est pas compliqué. Tu fais le direct. On va voir. Ok. Vas-y. Non, c'est que je disais, j'ai dit que le système, parce que le système, il y en a aujourd'hui, c'est un système qui est dirigé contre une catégorie de personnes. C'est ce que tu viens de dire là. Mm-hmm. Mais le problème, c'est quoi? La jeunesse guinéenne, dans toute cette histoire-là, le problème, c'est la jeunesse. La jeunesse n'a pas les bonnes informations. Tout à l'heure, là, j'ai regardé quelqu'un a écrit un commentaire là, c'est lourd à investir au Sénégal. Mais ça, c'est une fausse information. Voilà, même aujourd'hui, j'ai publié la vidéo de ce loup. Le prix qu'il a reçu au Sénégal. C'était le prix Corridor, le prix de la paix. Ah, il a reçu le prix de la paix au Sénégal. Voilà, prix de la paix. Et vous dites que meilleur investisseur. Voilà. Donc, c'est le problème ce soir. Parce que vous avez le mensonge. C'est le ministre de l'Intérieur qui est sorti. Quand il a reçu ce prix-là, il est parti à Jobra, c'est un peu long. En tout cas, dans les radios, il a dit que c'était
Tandis que c'est faux. Voilà. C'est faux. La Russie a pris par rapport à la paix. Les élections, les premières élections, quand vous l'avez dribblé là, tout le monde a compris qu'on l'a dribblé. Et on lui a donné ce prix-là. Voilà. Parce que en 2010, il a accepté sa défaite. Voilà. Donc, c'est la deuxième formation. Encore une fois, même en 2020, il a publié un livre. Il a mis la photo de ses loups et Sylvia Touré. Il a été le fossoyeur de la République. Attire à fossoyeur. Ah. Voilà. Donc là, c'est parce qu'il a dit, Alpha Condé, son système, c'est quoi? Alpha Condé, on dirait qu'il n'a pas de programme. Le programme, c'est Sylvia Touré et Sylvia Touré. C'est tout. Parce que ce sont ceux-là qui lui dérangent peut-être, je sais pas. Voilà, il n'a pas de programme. Mm-hmm. Donc, la jeunesse, on ment à la jeunesse, on ment à tout le monde. Les vieillards, les jeunes, les femmes, tout le monde. Mais c'est ce qu'on aime, non? Et puis les gens. On aime ça. Et puis les gens, là, voilà. Les gens aussi acceptent ça. Quelqu'un voit la vérité, mais parfois je ne comprends pas. Quelqu'un, tout ce qu'on entend de faire là, vous vous parlez, nous intervenons, nous publions des vidéos, mm-hmm. pour que ça leur puisse conscientiser, c'est pour conscientiser la jeunesse. Mm-hmm. Parce que moi, si y a quelque chose de flou, moi je cherche les vidéos et je balance. Mm-hmm. Pour que les gens comprennent que tout ce qui a été dit, ou bien tout ce qui a été dit, c'est archi faux. C'est pas, il y a un film de vérité dedans. Oui. Ça, c'est le gars, c'est un menteur. Il n'a que les menteurs. Et puis, vous voulez. Voilà, c'est un peu. Mm-hmm. Là, on connaît sa position. Mm-hmm. On connaît sa position. Mm-hmm. Donc, le problème, c'est quoi? Mm-hmm. Le problème aujourd'hui, Alpha Condé a beaucoup contribué à croître la popularité de ce livre. Toi qui parles, Marie, mm-hmm. parce que avant, moi, je ne m'intéressais pas trop. Moi non plus. Je m'intéresse à la politique. Mm-hmm. Moi, je m'intéresse beaucoup à la politique. Tous ceux qui me connaissent, ça, vous voyez, moi, je suis dans la politique. Oui. Je m'intéresse beaucoup à la politique. Mm-hmm. Mais, depuis 2010, jusqu'à maintenant. C'est son projet de société. C'est le dernier. Non, depuis 2010. Voilà. Son programme. Qui est. Voilà. Ah, mais c'est lui. Depuis 2010. Non, si on fait attention à ce que vous maintenant pour savoir ce qu'il y a dedans. Oh, on a compris maintenant. C'est l'affaire de peu. Voilà. Voilà, depuis 2010, jusqu'à maintenant, qui est le leader le plus populaire à l'Afrique? Mais c'est celui-là. C'est celui-là. Voilà. Et ils ont contribué à ça. Alpha Condé a voulu contribuer. Alpha Condé et son système ont beaucoup contribué à augmenter la popularité de ces livres. Oui, oui. Parce que, voilà, dans ma vidéo, la vidéo que j'ai publiée aujourd'hui, j'ai mis en bas, j'ai dit, est-ce que Selou n'est pas un protégé de Dieu? C'est un protégé de Dieu, bien sûr. Voilà. Voilà. Et pour la même chose, pour la même chose, c'est un peu. Des vrais cafres, c'est voilà pourquoi. Quand tu es avec Dieu, les gens ne t'aiment pas. Depuis 2010, on ne fait que diaboliser le monsieur. On ne fait que le traiter de tous les péchés. Il a vendu des rails. Donc, à chaque fois, quand on lui colle quelque chose, monsieur, il s'en sort grand. Oui. Donc, voilà, c'est pourquoi je posais cette question. Je dis, mais
si vraiment, si vraiment, s'il vous était, ou bien s'il vous est, tout ce qu'on lui reporte, ou bien tout ce qu'on dit sur lui était vrai, mais ça vraiment, aujourd'hui, c'est, ou bien, avant aujourd'hui, c'est fini pour nous. Mais le monsieur continue toujours à être là et la, sa popularité ne fait pas manger. Donc, c'est à ça qu'on dit maintenant et à tout le monde de comprendre que il y a des personnes qui on peut tout faire pour embarquer quelqu'un. Mais s'il est avec Dieu, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas l'atteindre. Le cas de Célou ressemble à ça. Ça, c'est mon constat. C'est ce que moi, je constate. Oui. Le monsieur, il est là, il est constant. En plus, il a un guidé. Ils ont fermé le siège de son parti. Bon, alors, Fadiga, je vais prendre quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Ça fait 20 minutes que tu parles. C'est vrai que je t'ai bouffé 10 minutes, 5 minutes dessus. Il faut rappeler un peu plus tard, parce que toi, c'est ta page. Voilà. C'est différent. C'est que j'avais comme conclusion. Regardons, prenons les hommes tels qu'ils sont. Mais ne prenons pas les gens de ce qu'on dit. C'est qu'on dit de lui. Hey, voilà. Fadiga, là où on est là, ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent dire. C'est leur problème. Moi, voilà. Je ne suis même pas là pour demander pardon à quelqu'un. Si vous étiez des hommes, il fallait vous présenter. Voilà, quand tu veux prendre ta parole, merci beaucoup. Voilà, et je dis bonsoir à tout le monde. Ah, merci. Voilà. Barlam Moubé, il faut le faire dans toi là. Un barlam comme si c'était une religion. Vos faux politiciens là. Kassori n'a pas volé en allant aux États-Unis. Les gens que Kassori les soi-disant politiques de Kassori qui écrivent des mensonges ici tout le temps. Kassori n'a pas volé, compté, parti aux États-Unis. Oui, allez-y, on vous écoute. Oh, ma grande soeur, bonsoir. Bonsoir. Ça va, Dieu merci, alhamdulillah. Merci beaucoup pour le travail. Vous avez appelé plusieurs fois, mais vraiment... Oui, j'ai voulu intervenir. Mm-hmm. Là, il faut dire aujourd'hui, c'est le Moïse de la Guinée. C'est sur lui que je compte. Et la majorité des Guinéens ont compris, c'est lui la solution. C'est lui la solution, moi j'ai compris. Pour le moment, c'est lui la solution. Mm-hmm. C'est le seul leader politique dans l'histoire de la Guinée qui a affronté une dictature. Il n'a pas été un leader politique touriste. Il a affronté le président en place. Celui aujourd'hui a tenu tête à tête à Alpha Condé. Il a tenu tête à tête aux forces de défense et de sécurité, manipulées par le pouvoir qui veut sa tête. Il a tenu tête à tête à tous ceux qui sont jaloux de lui. Oui. Les Kassori et consorts, il a tenu tête à tête aux gens qui veulent, qui ne veulent pas que le peuple arrive au pouvoir. Il a tenu tête à tête à ce quatrième pouvoir qu'on appelle la presse, manipulé par le président payé. Oui. Ils sont en train aujourd'hui de se battre pour faire de la victime le coupable la victime. Oui. Donc, il est le très loin, le meilleur leader politique de la Guinée dans l'histoire de ce pays. C'est le meilleur homme politique que la Guinée n'ait jamais connu. C'est Lula Lendjalou. Meilleur homme politique que la Guinée ait connu, c'est un peu. Encore. Toujours la peur. Tu veux pas, c'est le peuple. Ils sont devant. Ça, c'est Dieu qui l'a voulu. Vas-y, mon frère. Il va changer la Guinée. Le problème aujourd'hui, tous ces opposants aujourd'hui, ils sont conscients et ils savent que c'est lui qui a gagné cette élection. Docteur Ousmane Kaba a dit non, Aïka n'a pas gagné, mais il reconnaît le pouvoir. Les Ousmane sont dans un registre. C'est dans le registre communautaire, non, comme c'est notre parent qui est là-bas, même s'il n'est pas bon qu'il reste. Oui. Et ils sont tous conscients aujourd'hui.
La dernière fois, il y a un monsieur qui a intervenu. Il dit le problème aujourd'hui, ce n'est pas seulement Alpha. Ce sont ces leaders politiques qui jouent l'égoïsme. Oui. Ils sont conscients aujourd'hui de celle-là, la solution. Il a gagné au lieu de se rallier derrière celle-là, le soutenir. Mais le seul problème, vous l'avez dit, le problème, c'est qu'il est seul. Oui. Il faut oser de le dire. Et aujourd'hui, quand le peuple de Guinée, c'est l'Africain le plus actif de l'Afrique. Pas tous les peuples là. Je vous dis le peuple de Guinée. Vous quittez Mamou, vous sortez le Fouta. Vous prenez, vous rentrez en Haute-Guinée, les zones de Farana. Commencez en Guinée, regardez dans toute la région comment il est actif. Vous sortez, vous passez par le sud en Côte d'Ivoire, vous trouvez le peuple de Guinée. Vous partez à Accra, vous arrivez à Lomé, parce que j'ai vu tout ça. Vous partez à Cotonou, il y a des peuples dans tous ces pays. Mais le peuple de Guinée, il a une position stratégique et importante. Et quand tu es président dans ce genre de pays, je sais que vous êtes plus occidental, mais prenez un temps. S'il y a un mois de vacances, essayez de visiter quelques pays africains. Vous voyez les peuples de Guinée, comment ils s'imposent. Oui. Des grands industriels, ils sont dans les PPP, dans des pays où ils pèsent beaucoup. Même les autres peuples de ces pays-là disent, ah, vraiment, vous êtes forts. Et quand tu es président dans ce genre de pays, il faut leur donner des occasions. La Guinée n'a pas besoin d'un investisseur si ces peuples-là ont l'occasion d'investir. Parce qu'il y en a des milliers qui sont millionnaires en dollars, qui ont des expériences dans tous les domaines, qui peuvent aujourd'hui développer la politique. C'est ça qui fait mal aux autres. Parce que eux, ils viennent au pouvoir pauvre. Ces gens-là. Tous les présidents qui sont venus en Guinée au pouvoir, ils sont venus pauvres. C'est le sort du registre habituel. Ils ne sont pas habitués à ça. Le Guinée n'est pas habitué au côté chic. Tous les présidents qui viennent, quand tu vois leurs femmes des villageois, tu te dis, mais elles ne sont pas habillées. Les gens aiment ça. On se moque d'eux. Mais quand Alima Touzal va venir, elle est déjà prête. Vous voyez, elle a la classe naturellement. Elle connaît déjà la vie. Tout ça, ça les dérange. Et aujourd'hui, on a fait de ça le plus grand. La seule erreur que Ella Selou aujourd'hui va commettre, c'est de se baisser les bras et refuser de combattre. Même s'il a le couteau à la gorge, il faut qu'il parte, qu'il meure d'enfant. Aujourd'hui, l'espoir est sur lui. Il faut qu'il se maintienne, réclamer cette élection et cette victoire. Il a le plein droit, même s'il va mourir d'enfant. Il est notre Nelson Mandela, il va rester dans l'histoire. Non, Nelson Mandela, ça, nous aussi, c'est une autre catégorie. Voilà. Depuis que Alpha est venu, il s'est fixé pour objectif fatiguer ce loup, neutraliser ce loup, s'attaquer au peuple. C'est là où il a tapé poteau. L'énergie qu'il a fournie pour déstabiliser ce loup, s'attaquer à la communauté que il avait fourni la même énergie pour développer la Guinée, on ne serait pas là aujourd'hui. Tous les problèmes de Guinée, c'est celui-là. On se rappelle, Kassori a été le ministre des Finances le plus puissant dans l'histoire de la Guinée. Les 274 milliards, beaucoup se rappellent. Mais Dadis a voulu l'arrêter lorsqu'il est venu. C'est par négociation qu'il a pris l'avion. Les Konaté et l'ancienne première dame, Ariette, qui ont dit à Dadis de le laisser. Mais Dadis a voulu l'arrêter. On oublie tout ça. On oublie ça. C'est tout, c'est la vérité. C'est le côté peul là, mon frère, c'est pas autre chose. Voilà, c'est le côté peul là, c'est pas autre chose. Il va arriver aux affaires et il va changer notre pays parce qu'il est expérimenté, il est technique, il a les relations et aujourd'hui sa communauté aura une sécurité d'investir parce que je vous le dis, ces gens-là, ils ont de l'argent ailleurs, ils ont une position importante, ils ont de l'expertise. Et ils vont développer la Guinée. Et on a toutes les chances d'être tout la même économie. Je suis tout à fait d'accord. Je sais que j'ai beaucoup parlé. Je vous remercie. Merci beaucoup. À bientôt, Inch'Allah. Celui qui écrit là, je n'ai même pas compris que quoi, s'ils ne veulent pas donner le pouvoir. On a donné le pouvoir, mais il faut prendre. Pourquoi vous ne prenez pas? Sinon, on ne veut pas que celle-là ait le pouvoir, il n'aura pas. Mais il faut. Si Selou veut prendre le pouvoir par la force, il l'aurait déjà pris. C'est ce que vous voulez, mais il ne le fera pas, Inch'Allah. Aucune ethnie n'a ce monopole-là, ça c'est fini. Ça c'était avant.
Et puis quand Dieu te donne un don, quel que soit le don, il faut l'utiliser dans le sens de la vérité, dans le sens de l'honnêteté. Voilà. Si Dieu te donne un pouvoir que tu utilises malhonnêtement, que tu échanges avec de l'argent, tu as gâché ton don et ton pouvoir. S'il y a une autre ethnie qui peut bloquer celle pour le pouvoir, l'ethnie n'a qu'à prendre le pouvoir, ou bien? L'ethnie n'a qu'à prendre. Pourquoi l'ethnie ne s'est pas présentée? C'est-à-dire, il y a des gens qui se tapent la poitrine. Hey, ça, ça a changé. Ça, c'est fini. Maintenant, là, c'est entre Dieu et Iblis. C'est là qu'on est là. Maintenant, celui qui va balancer du côté de Dieu et prendre le temps, vous pensez que l'affaire là, c'est le venu jusqu'ici? Je vous ai vu. Ceux qui bloquent l'affaire là, on vous a vu. Ça va vous dépasser. Vous serez déçus. Voilà, vous serez déçus. Gaïe, sinon on ne donne pas le pouvoir, un voleur restera un voleur. Kassori, ce n'est pas un voleur. Kiridi, ce n'est pas un voleur. Baïdi, ce n'est pas un voleur. Malik Sankor, ce n'est pas un voleur. Tous ceux qui sont autour là-bas, ce n'est pas des voleurs. Ce n'est pas des anciens voleurs qui sont devenus nouveaux voleurs. Alpha est venu avec quoi, Ngini? Zéro, rien du tout. Yannakaba est venu avec quoi? Rien. Ce n'est pas des voleurs. Ils ont volé pendant les 5 ans, volé pendant les 10 ans. Maintenant, vous parlez de quel vol? De quel vol vous parlez? Dites-moi, jusqu'en 2010, vous pouvez parler de vol par rapport à Alpha, de qu'il est propre. Mais à partir de 2010-2015, il a volé. 2015-2020, il a volé. Maintenant, vous parlez de qui c'est le voleur par rapport à qui? Par rapport à qui en Guinée? Il a volé plus que qui? Plus que qui il a volé? Tous ceux-là, ils n'ont pas des biens à l'étranger. Tous ceux qui sont là, ils n'ont pas de biens à l'étranger. Cette histoire de cellule-là, j'en fais une affaire personnelle parce que Boterabana, je vois que vous, vous voulez vous foutre déjà. Mais vous savez, dans la vie, il y a des surprises. Parce que vous n'avez jamais imaginé tous les plans des réseaux sociaux. Personne ne m'a imaginé, moi, là, pour ce truc-là, à l'instant T. Personne ne l'a imaginé. Alors, d'autres choses aussi, ça peut se passer, Inch'Allah. Vous exagérez, vous abusez, vous n'avez pas honte. Ça, c'est être éhonté au Fangayagi. Au Yagi, son nom. Ils ne peuvent pas aimer ce nom. Parce que c'est comme quand tu es dans un groupe de bandits, tu sors du groupe et tu arrêtes le banditisme. Et les gens commencent à t'apprécier pour dire que hey, lui, il a changé. Maintenant, il ne se drogue plus, il ne boit plus, il ne va plus dans les bars. Il a changé. Tes autres anciens bandits-là, ils t'en veulent. C'est le problème-là que c'est nous avec ces gens-là. Ces gens-là ne sont pas mieux que celui-là. Ils ne sont pas mieux que lui. Celui-là est mieux qu'eux parce qu'il a riposté. Oui, c'est comme moi. Moi, j'ai changé aujourd'hui. Dieu ne fait pas ça pour tout le monde. Personne ne me dit bravo. Mashallah, je me dis à moi-même. Bravo, Mami Sissoko. Produit éclaircissant arrêté. Maquillage léger, pudique. Qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Il m'aime, moi aussi, je l'aime. C'est tout. Maintenant, vous allez parler ici jusqu'à demain. Je ne prends pas de l'argent, malgré que je sois une force radiale. Personne ne me paye. Je ne paye personne. Et je dis à l'UFDG à partir d'aujourd'hui, elle ne redonne pas à quelqu'un. Les gens qu'on s'est en train de pourchasser, comme les Agi et autres qui ont fui la Guinée par rapport à la situation, il faut leur apporter une grande aide financière. Mais quiconque veut voir l'UFDG maintenant pour venir parler ici, 1 euro, il ne faut pas leur donner. 1 franc guinéen, 100 francs, il ne faut pas leur donner. Moi, vous ne m'avez rien donné. Je l'ai fait. Je le fais avec mon cœur et mon âme. Pourquoi les autres ne le font pas? Si vous aimez votre pays, mais vous pouvez le faire aussi. Mais parce que ce n'est pas votre ethnie. Alors, serrez la ceinture. Il faut serrer la ceinture. Quand vous avez sali celle-là avec votre bouche, je vais me rendre propre avec ma bouche là, Inch'Allah, parce que vous exagérez. Il faut avoir ses limites dans la vie. Ou par qui est-ce que vous avez fait? Ou par qui est-ce que vous avez fait? Dieu, mon Seigneur, voilà. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Qu'est-ce que les peuples font en Guinée que les autres ne font pas? Il n'y a pas de prostituées de d'autres ethnies, il n'y en a pas? Il y en a. Et c'est les autres même sont moins chers. Qu'est-ce que les peuples vous ont fait que les autres ne font pas? Qu'est-ce qu'elles ont fait que les autres ne font pas? Vous exagérez. On est à force de fatiguer ces gens, les gens comme nous autres, on s'est intéressé à l'histoire. On s'est intéressé à cette affaire. Moi, je n'ai jamais imaginé que j'allais soutenir celle-là. Jamais. Jamais. C'est un parti que je ne prononçais même pas le nom. Mais je vois que j'ai dit, mais si on ne se mêle pas de cette affaire,
Mais ils étouffent ces gens-là inutilement pour rien. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Dites-moi, qu'est-ce que le peuple a fait en Guinée de mal que les autres ne font pas? Ce que ces lois font, c'est extraordinaire. Ils quittent un système. Tandis que ça, ce qu'il a fait, Kassori aurait pu le faire, puisque ses communicants sont là en train de le regarder. Kassori aurait pu le faire. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il veut bouffer sur toute la ligne. Baïdi aurait pu le faire. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il veut profiter partout. Pourquoi Kennedy ne l'a pas fait? Parce qu'ils veulent profiter partout. Parce qu'ils n'ont pas d'orgueil. Parce qu'ils n'ont pas de dignité. C'est ce qui, moi, me choque. Et c'est choquant. Et les gens devraient avoir honte. Quand les situations comme ça se présentent de la sorte, il faut avoir honte. Et qui riposte à tout ça, c'est un peu. Alors, le peu là, moi, je le soutiens. Alors, d'ailleurs, même s'il n'a pas gagné, je le soutiens. Je vous dis merci, ça fait 2h34. Partagez la vidéo, vous coupez les parties qui vous intéressent. Vous montez les parties qui vous intéressent. Je verrai le temps, quand j'aurai le temps, je ne sais pas quel jour, je ferai une autre vidéo. Maintenant, cette affaire de peuple-là, c'est devenu une affaire personnelle. Et puis, c'est gratuit. Voilà, on ne donnera plus, l'UFDG ne donnera plus un franc à qui que ce soit. Si tu veux, tu t'assois et si tu insultes jusqu'à demain, on ne te donnera pas un franc. Ça aussi, je vais me battre pour ça aussi. Venir dire ça ici. Publier ça partout. Dire aux gens de publier partout. Ils ne donneront plus rien à personne. Le RPG, ça, c'est un parti. Toutes les bonnes personnes qui étaient dans le RPG sont parties. Toutes les bonnes personnes qui se respectaient sont tous parties. Parce que Alpha a pris une route. C'est juste incroyable. Vous voyez ça. Vous voulez détruire ce pays. Ah, les peuples n'aiment pas la Guinée. C'est des apatrides. Il y a une ethnie qui investit plus que le peuple en Guinée. Je te dis que la Guinée sans peuple, c'est la brousse. La Guinée sans peuple, il n'y a rien. Rien. Voilà, c'est ça. Maintenant, si vous êtes des hommes, si les autres ethnies là sont des hommes, il fallait vous présenter. Il fallait affronter Alpha. Si elle s'est présentée, il ne devait pas se présenter. Et si elle l'a fait, il devait, tout ce qu'il fait, il ne devait pas faire ça. Ah, et vous, vous faites quoi en attendant? Ici à Ghana, ça va? Ah, voilà. Allô? Bon, je vous dis merci, à bientôt. Il ne faut pas laisser. Hein. Aucune ethnie n'est mieux que le peuple en Guinée. Aucune ethnie n'a le monopole du pouvoir en Guinée. Il n'y en a pas. Ce qu'on a goûté là, que dalle, zéro. Vous n'avez rien fait d'extraordinaire que de mettre ce pays en retard. Laissez les peuples aussi faire pour eux. Vous n'avez aucun moyen de les bloquer. Il n'y en a pas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, il ne faut pas insister. Il ne faut pas insister, il ne faut pas que Allah sorte sa punition directe. Vous préférez mettre ce pays-là en danger avec tous ces bandits-là qui sont autour. Ils ont déjà leurs armes, ils sont prêts. Vous le savez. Vous préférez mettre la vie des gens en danger pour éviter une seule personne. Une seule personne. Tandis que il peut récupérer sa victoire. Et quand il est au pouvoir, vous le fatiguez. Vous formez un groupe, vous le fatiguez. Mais vous n'avez pas de cœur. Vous ne pouvez pas faire ça. Il y a des gens qui sont là, qui soutiennent ce genre de personnes. Vraiment, vraiment, comme le mensonge et l'ADN des RPG, c'est l'Alpha Condé, la honte et la religion de certaines personnes. Inch'Allah, à bientôt, merci beaucoup. Alors, on bire kantaro natangaro on sutra simaya non santia kwa rabinya niki non sutra sa on bire ma. Alors, on lira yerebi. Nta moun be kiti bu mriyo be. Kha mriyo la gine ranifé senta nera kraya o maya hakim rakiti sa on daki. De poche non tout nan. Oura gine prima borum borum ki. Les faux cheveux, les faux teints, n'y a que ça. Et puis, gine bere mi mahamide. Pour religieux, c'est ça leur travail. Comme moi, je suis fausse radiala. Moi, je ne bois pas, hein. Je n'aimais pas le produit. Je n'aimais pas de faux cheveux. Je ne suis pas payée pour ce que j'ai dit. C'est gratuit. Et cette affaire de peuple-là, je prends ça, comme ça, avec mes deux mains. Je rajoute mes pieds dessus pour vous dire que moi,
je n'ai pas peur. Maintenant, celui qui est courageux, il faut venir te mettre derrière moi, faire du peur. Parce que celui que tout le monde combat, si toi tu combats cette personne-là, c'est une faiblesse. Ça veut dire que tu n'as pas le cœur. Ça veut dire que tu n'es rien, tu es zéro, tu ne peux rien faire. Voilà. Je vous ai dit que c'est l'année du peur pour moi. Jusqu'à ce que je voie autre chose. C'était l'Odel Ndiallo. C'est l'homme le plus influent que la Guinée n'ait jamais connu. Mais il ne connaît pas sa valeur. Il ne connaît pas sa force. Je vais lui montrer sa force et sa valeur, là, Inch'Allah. Alpha, c'est moi Alpha, c'est ça, c'est Mara. Ça, c'est mon Alpha. Ça, c'est Mara. Il n'est rien. Alpha n'est rien. Il n'est rien. Il n'est rien. Il n'est rien. C'est un délinquant politique. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous écrivez les injures ici. Ou alors, vous faites les vidéos, vous insultez. Depuis que vous insultez, qu'est-ce que ça a changé? Rien du tout. À bientôt pour ceux qui sont en train de jeûner. Moi, je ne gêne pas, hein. Je vais jeûner le 19, Inch'Allah, parce que c'est la fête le 20, Inch'Allah. Qu'Allah fasse qu'on vive cette fête-là et qu'Allah fasse que ces gens-là, ces bandits, ces fripouilles, soient les derniers sataniques de ce pays-là. Battons-nous pour la vérité. Même si ce n'est pas la vérité, battons-nous pour le changement. C'est ça le changement. Un peu le pouvoir, ça c'est un changement. Ça c'est du jamais vu. C'est ça le changement. Faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Ton mental est prêt pour recevoir un peu, tu es prêt au changement. Ton mental bloque pour ne pas recevoir le peu, tu n'es pas prêt pour le changement. Et tu n'as aucun moyen pour les bloquer. C'est parce qu'ils veulent la paix. Si c'est l'argent, ils peuvent bombarder la Guinée en une seule nuit. Mais ils ne le font pas. Et ils ne vont pas le faire. On va patienter progressivement. La diaspora, je vous ai dit notre rôle. Inch'Allah, on va récupérer cette victoire-là. Inch'Allah, nous allons continuer à nous battre. Inch'Allah. Ne nous décourageons pas. Il faut être patient avec la vérité. Le mensonge est rapide, mais il est vite démasqué. Quand tu es persévérant et engagé. À bientôt, Inch'Allah. Merci à tout le monde pour les partages, pour les commentaires. Soyez droit dans vos bottes. Aucun Guinéen n'est mieux que le peuple. C'est moi qui le dis. Celui qui n'est pas content, il ne faut pas que je me réveille.